C'est mignon, hein? Je peux vous dire que ça l'est moins quand vous avez l'odeur qui va avec. Je vous laisse vous faire votre opinion. Est-ce que l'odeur vient du chat? Est-ce que l'odeur vient de l'enfant? Bonjour à tous. Ouais, je vais faire un doigt. On est en pleine séance de sport. Et là, je suis en train de filmer, je ne fais pas mon sport. C'est parti. C'est vendredi. C'est bien. Ah, les Jeux Olympiques ont commencé sinon. Voilà, ah, on embrasse la Suisse qui passe au moment même. La France est déjà passée et nous on vient de finir notre sport. Me voici dans l'atelier après la séance de sport qui s'est un petit peu écourtée, enfin pas vraiment écourtée. En fait, je vous avais partagé sur Instagram ma séance de sport parce que vous avez plusieurs à me l'avoir demandé. Du coup, maintenant, bah voilà, je vais partager au jour le jour les séances que je choisis de faire. Je vous partagerai ça du coup sur Instagram. Je vous enverrai le lien du coup vers la vidéo que je fais. Et là, la séance que j'ai choisie, elle est d'une durée de 10 ou 11 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très long. Et je m'étais dit, bon, je vais au moins faire cette séance. Et si j'ai encore la pêche à la fin, je vais me rajouter un troisième circuit. Parce que la séance, elle est constituée de deux circuits. Et donc je me suis dit, ben voilà, si je le sens, je ferai un troisième circuit. Mais il faut que je fasse au moins la séance, quoi. Et au final, j'ai été incapable de faire le troisième circuit. Je me suis même pas lancée à essayer. J'étais KO. Je me suis donnée à fond là sur les, la séance. Voilà. Donc, je suis déçue un petit peu parce que j'aurais aimé avoir l'énergie d'en faire un peu plus. Mais à la fois, je suis satisfaite et je me contente d'avoir fait ça. Faut pas oublier que je reprends le sport. Et là, je me suis donnée dans une intensité vraiment bien. Donc, voilà. Là, je suis encore. Toute fatiguée de mon effort. Je suis dans l'atelier parce que vous êtes plusieurs aussi à m'avoir demandé de faire un petit tour de ce qui se passe au jardin. J'y suis moins souvent hein, parce que bien évidemment en hiver c'est moins folichon. Mais je commence sérieusement à me lancer dans les premiers semis. Donc ici dans ma petite barquette j'ai les semis que je compte faire. En fait je vais faire une deuxième série de semis de piment, poivron, aubergine et je lance aussi les semis de pastèque, les premiers semis. En fait je vais compléter si vous voulez, j'ai fait une première partie le mois dernier et j'ai quelques graines qui n'ont pas germé. Du coup pour avoir le bon nombre de plants que je m'étais fixé, je vais rajouter quelques-uns là. Et en fait juste avant je vais faire un petit tour dans la serre, je vous emmène avec moi comme ça vous allez voir un petit peu l'évolution là-dedans. Il n'y a pas grand chose qui se passe hein, parce que il fait tellement froid et humide que bon bah voilà, il y a juste de l'humidité, pas beaucoup de feuillage, mais vous allez quand même voir avec moi ce qui s'y trouve et je vais pouvoir aller regarder par la même occasion si mes semis ont levé, parce que j'ai quand même quelques trucs que j'ai mis à pousser. D'ailleurs là je vous montre un truc. J'ai un tapis de mâche, voilà. Il y a de la mâche qui pousse ici parce que j'avais juste un plant. Donc un plant, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est ça. Hein. Ça, c'est juste un plant. J'en ai un comme ça qui était monté en fleurs. Oula, le vent. Et je l'ai laissé et du coup, ça m'a fait tout ce tapis, quoi. Il y en a de partout. Là, j'avais fait des boutures de rosiers. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des petits bourgeons qui commencent à arriver. Donc, je pense que ça a pris, hein, ça a l'air. On verra bien au printemps. Ouais, j'ai l'impression que c'est des narcisses. Non, je sais pas trop ce que c'est, en fait. Je sais pas, mais là, j'ai des bulbes qui commencent à arriver en fleurs. Là aussi. Je viens de trouver ça, regardez. Hop, je sais pas ce que c'est, mais j'ai un bulbe de fleurs qui arrive. Là, on dirait comme un bébé artichaut. Je sais pas ce que c'est. C'est moi qui l'ai planté, je pense. Parce que là, j'en vois un autre ici. Je me demande si c'est pas des crocus. Je sais pas ce que c'est. Pas des crocus, des jacinthes. Dites-moi. Mais on dirait que c'est des jacinthes. Alors, cette énorme plante, c'est un artichaut. Magnifique, hein. Regardez là ma main à côté. Vraiment très très beau et je l'ai semé. Voilà, je suis partie de la graine l'année dernière. Je suis trop trop contente. Là j'ai un pak choy en fleurs. Je vais le laisser, hein, c'est pas grave. Ça va ensuite retomber ici et puis ça lèvera l'année prochaine ou pas.
Et tout par là, en fait, contre la serre, en fait, ce sont des engrais verts. C'est de la moutarde. J'avais balancé de la moutarde ici et ça a monté en fleurs l'été dernier. Et du coup, là, c'est déjà en train de repartir, en fait. Hein. Donc ça, c'est de la moutarde. Et puis là, on a même de la phacélie. Et en fait, dans tout ça, je pense qu'il doit y avoir aussi quelques plants de pommes de terre que j'arrive pas trop à trouver là, mais je suis sûre qu'il y en a. Et me voilà dans la serre. Il fait bon ici. C'est franchement agréable de sentir la différence de température. Et puis ça y est, on est dans la petite bulle où il fait beaucoup plus doux. Alors là, je regarde un peu les semis. Je vais vous montrer ça, vous expliquer un petit peu. Voilà, les choses se présentent plutôt pas trop mal, j'ai l'impression. Je vais vous montrer, ça a grandi. Voilà, donc là on part sur une vue générale depuis l'entrée. Hein. J'ai des pots qui partiront en terre au printemps. Ici c'est mon petit coin des poireaux expérimentaux. Donc je sais pas si vous les voyez bien, mais donc il y a deux lignes de poireaux là. Ils sont pas si vilains, hein. En fait, c'est des poireaux que j'ai repiqués. On les a achetés, on les a mangés. J'ai récupéré le petit cucu là et je l'ai planté. Et puis c'est reparti. Voilà, dans les châssis, il n'y a absolument rien. Et ici, donc j'ai deux petites serres. Alors, je suis pas venue depuis très longtemps. Hein, il se passe rien là. Ça manque cruellement d'eau. Voilà, celui-là, en fait, on va faire comme si on l'avait pas vu. Et ici, on a des épinards, de la laitue et ici. On dirait des radis, mais ce ne sont pas des radis, ce sont des chouraves, je crois. Non, des choux cabus. Donc il va falloir que je procède au repiquage prochainement. On a des petites laitues, on a des fèves qui sont en train d'être attaquées par l'humidité. Quand on regarde en haut comme ça, ça va très bien, mais en fait je pense que je les ai semées beaucoup trop tôt. Du coup ça ne le fait pas, quoi. Mais là, vous voyez, c'est en train de pourrir. Voilà. Je sais pas si c'est du mildiou hein, ou si c'est juste une genre de pourriture, quoi, tout simplement. Parce qu'il fait trop humide et frais, ça n'a pas le temps de sécher. Voilà. Et puis là, je sais pas, j'ai l'impression que ce sont des fleurs qui sont en train d'arriver. Je vois pas ce que ça va donner. Hein. Il fait encore tellement frais. Donc je sais pas trop. Enfin, frais, là, il fait bon hein, dans la serre. J'ai un peu de tout et n'importe quoi par là. De la roquette, en veux-tu, en voilà. Encore du persil ici. Là, j'ai des poireaux qui serait temps que je repique. J'ai encore de la salade. Là, ici, ce sont des navets. Alors, on va regarder ensemble si ça grossit. Et bon, ma foi, c'est pas trop mal. Je sais pas s'ils sont tous gros. Lui, j'ai du mal à le voir. Mais voilà, donc, ce sont des. Il y a des navets. Il y a aussi des choux-fleurs et des choux romanesco. Là, j'ai encore. Là, c'est de la coriandre. J'ai ici du wasabi. Il est super bien reparti. Franchement, il est très très beau. Je pense que dessous, il doit avoir une belle racine. Et tout ça, c'est de la moutarde japonaise qui est très très belle. Et on a des laitues par ici qui sont pas trop mal. Et au fur et à mesure qu'on arrive vers la bâche au fond, c'est en train de pourrir en fait, hein, les salades. Il y a beaucoup beaucoup trop d'eau qui rentre. Le sol est très très humide, malgré le fait que je n'arrose jamais. Voilà, alors ici on a des choux pak choy qui sont en train de monter en fleurs, des choux fleurs là, ouais, il fait beaucoup trop chaud en fait pour eux, on a eu un redoux et vous voyez, hein, c'est monté en fleurs carrément quoi. Là j'ai des petits choux tatsa, il y a plein de mauvaises herbes, hein, je m'occuperai de ça quand le temps sera plus agréable. Ici on a encore de la roquette, donc ça c'est bien pour les salades et même si on en consomme, c'est vrai qu'il y en a toujours plein. Et là j'ai des radis noirs, ils sont vraiment hyper tassés et franchement j'ai même pas l'impression que ça grossisse là-dessous. Donc bon, c'est un peu râpé pour cette année. Oh, je suis étonnée. J'ai des petits navets. Ça c'est trop marrant, la dernière fois que je suis venue il n'y avait rien du tout. Et puis là je vois qu'il y a des petits navets qui arrivent, c'est trop marrant. Voilà, et puis ici j'ai des radis rouges qui sont... ça c'est ceux qui restent, hein. Ils n'ont pas grossi du tout, hein. Vous voyez, c'est ridicule. Voilà, quoique il y en a là-bas derrière qui m'ont l'air manger. Là j'ai un poivron tout mou. Je les ai laissés, je m'en occupe pas, je les ai laissés mourir à l'intérieur en fait. Et là de l'autre côté on a encore quelques trucs, mais ça c'est pas grand chose. Et dans ce petit chariot, j'ai des fraisiers.
qu'il faudra que j'aille replanter dehors. Et là-dessous, hop, découvrons le voile de la mariée. Dessous, on a un combava qui est plutôt en forme, hein, mine de rien. Je vais juste lui mettre un petit coup d'eau parce que je sais pas si sa terre est suffisamment humide. Il faut que je l'aère un peu. Puis un pied de piment en train de pourrir à côté. Donc vous avez compris que je vous ai montré tout ce côté droit. Et en fait, de ce côté gauche, il n'y a rien. Voilà. Ça, c'est tout à faire. Et me voilà de retour à l'intérieur dans la serre. Donc je vais faire mes petits semis tranquilles, au calme. Je réfléchis juste un petit peu au contenant que je vais utiliser. Puisque en fait, en fonction de ce que je sème, vous vous doutez bien que je n'utilise pas les mêmes supports. Voilà. Et là, en l'occurrence, j'avais une barquette, enfin une petite serre comme ça que j'avais déjà toute préparée. Tout est déjà prêt, donc je vais déjà utiliser ça. Ensuite, je vais mettre mes étiquettes, poser mes petites graines, tamiser un petit peu de terreau et recouvrir mes graines. Et ensuite, je vais les rentrer au chaud et je vais arroser par aspersion, là, vous savez, le truc qui fait embrumisateur, là. Et puis il y a certains trucs que je pense que je sais pas si je me lance à essayer de les semer en serre froide, je ne sais pas, je pense pas. En fait j'aimerais bien me lancer aussi dans un semis de fèves et un semis de carottes, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Je vais attendre la fin du mois parce que là le temps est vraiment pas agréable et j'irai faire ça dans la serre, je pense. Je vois que j'ai des pommes de terre aussi qui sont en train de germer ici, mais... il fait beaucoup trop froid, du coup ça germe très doucement là-dedans. Quand c'est à la maison, ça germe beaucoup plus vite. Mais celles-ci, je les ai laissées par là, ce sont des vitelottes. Voilà, on verra, hein. Elles ont commencé à germer, hein. Mais c'est pas fou, quoi. Donc je vais les laisser continuer de germer tranquille. Et puis moi, je vais faire mes petits semis tranquilles. C'est vraiment un moment très très plaisant. Voilà, je sais pas si vous jardinez, mais en tout cas, moi c'est... c'est le moment de détente absolue et je n'écoute pas de vidéos YouTube, je n'écoute pas de musique. Juste, je suis dans le silence complet avec mes petites graines comme ça et mes petites étiquettes. C'est la détente absolue, hein. Vraiment, vous devriez vous y mettre si ce n'est pas déjà le cas. Ça fait un bien phénoménal. Et voilà, j'ai fait mes petits semis, j'ai mis la cloche là. Voilà, j'ai fait des piments, j'ai fait des poivrons, j'ai fait un petit peu d'aubergine pour rattraper ce qui était... ce qui n'a pas levé, et puis là j'ai les pastèques. Ça va pas rester ici, mais ça va basculer du coup dans la maison, au chaud. Bibou est revenue du jardin, et là elle est à l'étage, quelque part par ici là. Ouais, voilà, ça vous le voyez, là c'est notre magnifique étage. Et donc elle est en train de faire du tri, alors elle est en train de trier donc ce qui est vendable, et ce qui est jetable. Et tu fais un troisième lot ou pas ou... Non, en fait c'est ce qui est... Attends, c'est un peu bizarre comme ça. Je vais te donner un appareil photo parce que là ça fait très bizarre filmer comme ça. Et voilà, et est-ce que si vous nous avez déjà acheté des trucs sur Vinted, vous l'avez remarqué, des fois, pas tout le temps, mais des fois, bah, surtout si vous prenez des vêtements bébés, Bibou elle va vous rajouter... un ou deux petits trucs, voilà. Des fois elle fait ses photos et puis après elle retrouve, genre elle va mettre un lot de body, 6 body, tu vois, elle va les mettre en vente à 2€ sur Vinted, et puis elle va faire son colis tac tac, et puis après elle va continuer son tri, elle va retrouver un body taille 18 mois, mais elle va dire bon, je vais pas le vendre tout seul le body taille 18 mois, tu vois, donc bah enfin faut le mettre en plus, etc, etc, sauf si c'est vraiment trop moche, quoi. Voilà. Tu vois, elle me lance les trucs. Et ça. Ça va là. Ça. À vendre. Voilà. T'as compris? Ça part de là. Ça va là. Donc là, ici, j'ai une pile de vêtements dont je me sépare. Ici, je vais stocker les trucs que je vais vendre sur une table. Et là, c'est tous les trucs qui sont à jeter dans la... Dans la benne à tissu, en fait, la benne à vêtements, quoi. Ah, ça, ouais. Les gens, et ben, s'ils veulent récupérer la benne à tissu. Voilà. Non, sache que les tissus, quand tu les mets dans les bennes à tissu, c'est soit c'est en réemployé, genre ça part en isolant. Ouais.
Ou alors c'est effectivement quand c'est en bon état, c'est donné. Oui, bah c'est ça, par exemple, à Emmaüs. Réutiliser, voilà. Mais souvent, ils font des isolants avec les vêtements maintenant quand même. Oui, bah ce sera recyclé de toute façon. Voilà, et puis voilà. Il y a des trucs qui sont quand même en état correct d'usage en fait. Donc ça pourra de toute façon servir à d'autres personnes. Ok les amis, C'était samedi aujourd'hui, effectivement. Bonjour à tous et au revoir. Aujourd'hui, nous avons passé une journée ensoleillée, il faut le dire, pour la mémoire. Ouais. Les filles sont allées jouer dehors, apprécier le soleil, elles ont apprécié oui. qu'il fasse beau. Nous, ce soir, on a goûté notre petit rhum arrangé. Oh ouais, il est très bon. Je sais pas si ça fait un mois qu'on l'a fait, je me rappelle plus trop de la date. Je sais pas, mais il continue de macérer de toute façon parce que je laisse les fruits dedans. Et où elle l'a filtré, enfin elle m'a mis dans une bouteille en fait. J'ai mis en bouteille, j'ai juste retiré quelques feuilles de cannelle parce que j'avais pas envie que ça continue en fait de macérer la cannelle, pour moi c'est assez. T'as laissé les fruits. Je veux pas qu'il y ait trop et j'ai laissé les fruits, voilà. En fait elle a fait ça parce que le vase dans lequel le rhum avait été fait, il est là. On a mis les fleurs dedans maintenant. On n'a pas assez de vase, on n'a pas de vase. Je voulais en fait au départ mettre le bouquet dans le rhum direct, mais je me suis dit... Voilà, non seulement les fleurs vont pas apprécier, et puis après moi je me sens pas de le boire. Mais du coup on l'a goûté, il est très bon. De toute façon le rhum arrangé, quand c'est bien fait, c'est toujours très ouais, bon. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas de contenant pour rhum. Tu sais, je sais pas comment ça s'appelle. Les Dames Jeanne. Les Dames Jeanne, mais il y a un autre nom aussi, sous des pots je crois. Tu sais, les espèces de pots avec des gros bouchons en liège là. Des Dames Jeanne. Ça se vend à Action, je devrais en acheter. Non, mais il y en a qui sont carrés. Les Dames Jeanne, c'est rond. Ah oui, comme les bouteilles de whisky, je veux dire. Enfin, de... Les gros bouchons en liège. Non, mais je parle énorme, les trucs de bourbon. Je connais pas. Les bouteilles de bourbon. Non, mais je te parle des gros bouchons en liège. Alors, ils font... Oui, et puis que la bouteille, elle fait comme ça. Ils font 10 cm, les bouchons, tu vois. Voilà, 10 cm de diamètre. Ils sont très larges. Ouais, c'est des gros trucs. Et oui. 10 cm de diamètre. Ouais, comme ça, ouais, c'est des gros bouchons comme ça, c'est des gros pots. Ah oui, bah écoute, ouais. Moi j'appelle ça des Dames Jeanne. Je ne sais pas, ouais, je sais que j'en avais vu, je sais plus, il doit y avoir un nom spécial. Bref, Je ne sais pas comment on appelle ça à La Réunion. Je sais pas. On va vous laisser pour aujourd'hui. On en avait, hein, je sais plus comment ça s'appelle. C'est les vacances, premier jour des vacances pour nous. Donc voilà, c'est tout, on vous laisse. Et n'oubliez pas le code promo pour Interflora, toujours... disponible. Ouais, vous jusqu'au aurez 16 contre, vous pas février. Celui-là. Oui, je sais pas, ça sera pas ouais. Le même. C'est Jujubaby le code et c'est 10€ de réduction sur votre bouquet. Et ça, j'en suis désolée pour vous parce que vraiment, il faut dire que. Il est beau. Il est très très beau. Mais le code promo dure pas longtemps. Donc n'hésitez pas, réfléchissez pas trop. Et on vous embrasse. Et on vous dit demain, à demain pour un nouveau vlog. Ciao.